t'enlever ton short welcome, et ta chemise. Welcome to Westchester, Pennsylvania, USA. Putain, hier il faisait 25 degrés à Cancun et là il caille sa mère, il y a de la neige quoi, partout. Moins 5, moins... Ouais, je pense pas, je pense qu'il fait 0, 1. Il fait pas chaud. Mais bon, c'est quand même très très beau. Et c'est cool. Et c'est cool. C'est trop cool. Hier soir on a fait des quiches. Des quiches, ouais. French quiche. Pour Nikki et Dave. Dave. Les hosts. Incroyable. Super cool, ce bon vieux Dave, bien drôle. La baraque est incroyable. Je pense qu'on peut pas, même pas décrire comment c'est grand, tellement c'est... Ouais, c'est inimaginable. Faut se dire que dans chaque chambre, il y a une salle de bain et un toilette. Ce qui fait qu'il y a 7 chiottes dans la baraque. Il y a 7 chiottes, il y a 2 salons, 2 salles à manger, un bureau. Oui, ils m'ont logé dans un basement. Oui, ils m'ont logé dans un basement, c'est un sous-sol aménagé, genre avec un grand salon, une grosse télé, salle de bain, genre petite cuisine, lit énorme. Et là, les enfants ont environ 3 salles de jeu. Enfin, vraiment, il y a des pièces dans tous les sens, c'est immense. Il y a des pièces vides, des fois, il y a une pièce qui est immense, mais qui est vide parce que. Ça déneige fort. C'est satisfaisant en vrai. C'est satisfaisant. Bon, après le déneigement de l'année, c'est quoi de l'allée, pardon, c'est quoi notre mission, Poltron? Expédition. Notre expédition. On va aller retirer de l'argent. C'est à 1 heure de route à pied. Il fait l'heure dans 1 heure. On sait même pas si sa carte va marcher en plus. On va marcher 1 heure, je vais faire tac, le code il va faire non. Va faire ok. Go back. On va revenir là. Bon, ouais, je pense que ça marche. Vous vous amusez bien? Plus que Bryce? Alors Sylvain, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as construit, Sylvain? Un 4x4. Waouh! Good job! Et Romain, tu nous as fait quoi? Moi, je fais les roues pour le 4x4. Ah! Travail d'équipe! Oui. Is he high? Hi, Bruce. Hi, Is he high? She's like, what is that? Yeah. Yeah. Alors? Ça caille, hein. C'est stylé ou pas? Ouais, c'est stylé. C'est immense. C'est grand, hein. La ville est plus grande que les deux sèmes. Incroyable. C'est incroyable. On est où là, monsieur le guide? Regardez Romain. On est au mémorial du 11 septembre. C'est stylé, hein. Ouais. Alors, cette première visite? Ça va, c'est stylé en vrai. Le bourg est un peu grand. Romain, cette visite? Mais ça caille par contre, ça caille sa mère. Ouais. Pas chaud. Ils sont pas très équipés quand ils sont venus en short. Ah, c'est le problème, c'est quand tu passes de Cancun à New York, de 25 à moins 5. Ouais. Faut se mouiller la nuque. Mais bon, on est des guerriers. Ah là là. Moi je fais le guide derrière là. Je comprends pas l'anglais, c'est bien. Chinois. Non, c'est un prix que je ne veux pas. Pourtant, il n'y a pas de prix d'eau, c'est très bon. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est ton plat. Et ça, c'est le plat de Romain. Et du coup, c'est trop bon en fait. Ça dégoûte. Quoi? C'est bon? Non.
Il fait jour, on dirait. T'as vu? Ouais. Il est où, le monsieur? Alors, Sylvain? Life is good. C'est trop stylé. Et c'est cool. Même si ça sert probablement à rien, c'est grave cool. Ça sert à ce que des clients comme nous prennent un billet d'avion pour venir ici. C'est clair. Pour prendre des photos. C'est vraiment trop con. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est génial parce que... Si, en vrai, le truc, c'est qu'on prend des photos de ça, tu vois, genre des fois, il y a une pub comme ça, qu'on met genre sur Insta, les gens like notre truc, du coup, ça fait la pub encore plus pour eux. Pour le produit. C'est ouf. Ouais, c'est ouais. Malin, c'est malin. Trop chaud, les mecs. Ouais. Trop chaud, les mecs. Vous êtes chanceux. Cet homme-là est un pro du marketing et de la communication, les gars. Faut pas l'emmerder, hein. Ah là là. Vous avez vu tout ce qu'il peut vous vendre avec ça? Attention. C'est quoi, ça sent la weed à crever. Ouais. Oh putain, si vous voulez fumer de la weed, faut venir ici. T'as un mec à chaque quadro qui fait weed. Phenom, good, thank you. Putain, ça change la gare de Poitiers. C'est comment le métro new-yorkais, c'est bon? C'est stylé, c'est cher, putain les bâtards. C'est cher, 3$ le... Just for one ride. Ouais. Gosh, so expensive. Ah, franchement, il y a 1,20€. Voilà. Et au Mexique, on payait 25 centimes. C'est bien. La différence, c'est que là,